assez large. J'ai plusieurs métiers affairés à rénover dans le coin, dans une commune avoisinante, et il faut que je refasse les tambours qui permettaient, en enroulant une sangle sous la bestiole, de soulever le bœuf ou la vache pour lui reférer ses sabots. Et donc, il faut que je tourne ces machins-là. Évidemment, ça ne rentre pas sur mon tour à bois, donc on va bricoler quelque chose pour me permettre d'usiner ça en rond. J'ai pas envie de me les cogner à la plane comme ça devait se faire auparavant. J'ai envie d'essayer quelque chose avec le tour. Allez, viens là, toi. Alors, faut que je construise une boîte là, qui vienne au-dessus du niveau du mandrin et qui me permette de passer la défonceuse avec une fraise à surfacer tout en tournant la pièce de bois tout doucement. 250 et là 102. Donc ça fait 352. Sauf que je vais avoir besoin de la scie à format. Est-ce que ça va passer? Oui, ça va passer. Ouais, non, ça va pas passer. Faut que je m'éloigne par là-bas. Bon, je verrai pour tout caler à la fin parce que mon plancher n'est pas plan. Vous voyez aligné, vous? Pas trop encore. Plus quelque chose comme ça. Là. Bon, faut que j'arrive à déposer un peu tout ça. Comment ça marche? Donc faut un bout de boîte 40 et sur lequel sera fixée la poupée. Et zut, c'est pas la bonne là.
Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, heureusement que j'ai pas qu'une seule pièce à tourner, hein. Il y en a au total une dizaine ou une 10 ou 11, je sais plus. Je ferai pas ça juste pour un machin. Bon, eh ben, je vais pouvoir essayer mon premier morceau. Je vais commencer par les longs qui ne sont pas des tambours, qui sont en fait des fêtières. La fêtière, c'est un cylindre dans lequel il y a deux coupes à 60 degrés pour coiffer le toit. Et c'est des fêtières en bois massif. C'est comme ça à l'origine et donc je refais pareil. Allez, 280. Cent trente-cinq, soixante-quinze et 135. Donc 75 là-bas. Voilà.
Good. Je pense qu'il faut que je change la démultiplication, que je la mette en lent. Ouais, on va changer de poulie. Voilà, lent, c'est celui-là. Bon, ça touche encore un peu, mais ça va toucher de moins en moins. Alors, faut que je fasse un petit renfort ici, parce que sinon ça va partir en sucette. Je vais usiner l'arête qui est la plus à l'extérieur de la banane, de façon à équilibrer un peu. Allez, ça tourne maintenant. Bon, et bien faut en faire encore. Hein. La prochaine fois, je casserai les angles. Ça m'avancera déjà pas mal. Alors, j'ai changé de fraise. La grosse fraise à rainurée que j'avais de 1 pouce, 1 quart, enfin 32 mm, en fait, elle est touchée que sur un point. Donc, je vais voir si avec celle-là, vu que de toute façon, on n'a qu'un point de contact, voir si avec celle-là, ça marcherait un peu mieux. Et plus ça va, plus je peux faire tourner la pièce de bois rapidement. Tout à l'heure, j'étais à peu près à 150 tours minutes. Voilà, 200 tours minutes. Allez, viens là. Il y a un changement majeur par rapport à tout à l'heure, c'est que j'ai mis ma fraise à surfacer, la fraise de la CN. Elle n'est pas vraiment indiquée pour être utilisée avec une défonceuse, parce que ça demande quand même beaucoup de puissance. Il ne faut pas que ça tourne trop vite non plus. Donc là, on est un peu à la limite de ce qu'on peut faire avec une défonceuse, mais n'empêche que la finition sur la pièce, elle est quand même meilleure. Alors, le nouveau, il est plus court. Allez. Alors évidemment, plus on réduit la longueur, plus on se retrouve avec des bouts qui sont droits. Et ça facilite le boulot. Donc je travaille vraiment au minimum. Il y a un tout petit peu de marge pour que je puisse fabriquer mes pièces, mais le moins possible. Et accessoirement, c'est un peu moins lourd à manier. Thank you.
Voilà, un peu plus court et un peu plus gros en diamètre. Ça, c'est vraiment les tambours qui vont permettre de soulever les bestioles. Enfin, elles soulèveront jamais rien, mais pour donner l'idée. Et ben voilà, des beaux manches à balai. Alors, le reste du boulot, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous filmer, mais voilà, je suis bien content d'avoir réussi à faire ces cylindres. Ça me rappelle l'expérience que j'avais faite il y a quelques années avec la scie à format où j'avais transformé la scie à format en tour à bois. C'était à l'époque où j'avais pas encore de tour à bois pour tourner des cylindres comme ça. Ça marchait remarquablement bien. Et contrairement à ce que vous avez peut-être pu voir sur certaines images, c'est relativement doux à faire au niveau stress mécanique. Une fois que la fraise est engagée dans le cœur du bois, ben voilà, ça avance comme dans du beurre. C'est sans stress, sans inquiétude particulière. Et ça marche très très bien. Alors le petit coup de finition qu'il y a eu à la ponceuse à bande, eh ben voilà, ça change un petit peu l'aspect. Celui-ci, il va finir en faîtière sur le toit. Donc il n'y aura pas bien de soucis, ça ne se verra pas. Mais ces pièces-là, elles sont vraiment à hauteur d'œil, donc il faut que ça soit un peu joli quand même. Ça fait quand même un sacré tas de copeaux tout ça, hein. J'aurais peut-être des pièces complémentaires à fabriquer, donc je les laisse intactes pour l'instant. Il pourra faire froid cet hiver. Nous, on va se retrouver très très bientôt pour de nouvelles aventures. L'atelier, ça arrivera très très bientôt aussi. J'ai encore du boulot à finir avant de m'attaquer à mon nouvel atelier, mais restez connectés et ça viendra. Allez, à ciao, bonsoir. Ah oui, il va pouvoir faire froid. Bon, de toute façon, il faut que j'en prenne encore un peu, mais là, il y a des verres dans l'aubier. Ils doivent avoir un peu le tournis, hein? Il y en a un autre là, caché là. Il doit le tournis.